Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au nom de la Commission de promotion économique de la commune de Saxon, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce troisième forum économique. Comme vous le voyez, nous bénéficions d'un cadre assez magnifique grâce au FC Sion et à sa revue, que j'espère que vous apprécierez. Notre premier forum avait eu pour thème « Oser entreprendre ». Le deuxième s'intitulait « Réussir ». Pour cette troisième édition, il a été décidé de choisir comme titre le mot « trajectoire ». Ce choix ne signifie pas que nos orateurs de ce soir n'ont pas osé entreprendre ou qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie, bien au contraire. Pourquoi ce titre alors? Parce qu'alors qu'oser entreprendre suppose un début, un commencement, réussir suppose une fin, un achèvement. En parlant de trajectoire, nous mesurons le chemin parcouru d'un point à l'autre. Pour nos trois orateurs de ce soir, il s'agit d'un parcours riche en découvertes, en expériences, en succès. Tous trois ont en commun une ouverture qui les a poussés à sortir de leur village natal, une énergie et un goût du travail bien fait qui les ont menés là où ils sont aujourd'hui. Cependant, leurs trajectoires sont différentes et c'est de leur spécificité que vous entendrez parler ce soir. Vous aurez la chance d'entendre successivement M. Lucius Vazecha, représentant permanent de la Suisse auprès de l'OMC et de l'Association européenne de libre-échange, M. Daniel Rossella, directeur du Paléo Festival et syndic de la ville de Nyon, et finalement, le local de l'étape, M. Christophe Bonvin, ancien footballeur international et maintenant directeur adjoint de la maison Charles Bonvin et fils à Sion. Mais avant toute chose, je vais laisser la parole à M. Léo Farquet, président de la commune de Saxon. Merci et bonne soirée. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le syndic, monsieur le sportif administrateur, mesdames, messieurs, au nom du conseil communal de Saxon et de toute sa population, je vous souhaite la bienvenue. La bienvenue aux invités de ce jour, M. Vazecha, issu du monde de la diplomatie et des relations économiques, M. Rossella, du monde précédemment de la défense du patrimoine culturel, puisque l'on a eu la chance d'entendre au Paléo, Trenet, Higelin, en passant par Renault et bien d'autres, défense du patrimoine culturel. M. Bonvin, sportif d'élite et de l'excellence viticole. Tous animés par leur enthousiasme et leur passion de s'adapter et d'entreprendre, chacun pour rester dans le thème de la soirée avec une trajectoire particulière. La trajectoire de Saxon, puisque nous avons la chance de vous accueillir tous ici, la trajectoire de Saxon, c'est tout d'abord une ligne qui va de la Pierre à Voir, notre montagne fétiche, notre petit Cervin, jusqu'au Rhône, en passant, bien évidemment, par le casino dans lequel nous nous trouvons. Saxon, c'est une commune, une petite commune, mais finalement, ce n'est plus un village, puisque nous dépassons la population de Saint-Maurice, qui est une ville. Nous avons quelques centaines d'habitants de plus que Saint-Maurice, puisque nous en avons 4500 à quelques unités près pour la fin de l'année. Nous sommes passés de 2987 habitants en 1989 à 4500, une explosion de la population. Vous avez, mesdames et messieurs, la population de Saxon a investi, privé et public pendant 20 ans, un demi-milliard. Des chiffres extrêmement importants, 300 millions pour les privés et 200 millions pour la commune, collectivité publique, avec l'aide du canton et de la Confédération. Ce sont des travaux qui sont énormes, qui montrent cette trajectoire, cette volonté de se développer. Saxon, ce sont des chantiers importants. Monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, a pris le train parce qu'il était plus sûr d'arriver chez nous avec tous les chantiers que nous avons de gauche et de droite. Au moins, au niveau du train, on est sûr d'y arriver. Pas trop de problèmes. Sinon, il est vrai que parfois, c'est un peu le parcours du combattant pour trouver les différents endroits où l'on doit se rendre. Saxon, c'est aussi des projets à fusion.
augmentation de la population dit nécessité d'agrandir les infrastructures scolaires. Nous avions fini de construire notre école en 1994, nous devons l'agrandir. 1, 2 étages complémentaires des travaux pour l'année prochaine. Nous devons participer au cycle d'orientation, peut-être Martigny, peut-être Fuilly. Des décisions seront prises tout prochainement au niveau régional. Ce sont les travaux de revitalisation du vieux village, avec la création du parking, 90 places de parc souterraines, une salle communale, et puis surtout, très important maintenant, ce sont les énergies renouvelables. Une centrale de chauffage à distance, un parc éolien dans la région entre Collonges et Ride. Des décisions et des solutions ont été trouvées. Ce sont également des centrales photovoltaïques sur les toits des bâtiments communaux. Saxon, c'était aussi la mise en valeur de ce casino. Ce casino, aujourd'hui, vous êtes assis dans les fauteuils de Constantin. Pas tous, fauteuils de Constantin qui nous a loué le casino pendant une année. Mais après le F-Session, après les 100 ans du F-Session, nous devons réfléchir à l'utilisation de ce merveilleux bâtiment et de tous ses alentours. Nous devrons réfléchir à une éventuelle réouverture selon les décisions fédérales. Nous y croyons encore, même si les chances sont relativement minces. Notre village, c'est également de nouvelles entreprises qui fleurissent à Écône, qui fleurissent dans la zone artisanale des Quies. C'est Nestlé Waters qui a racheté Aigné, qui a racheté Cristalp. C'est Landy qui construit à l'entrée ouest de notre village. Et c'est un développement important du terrain des bains, donc à l'ouest de Saxon, avec des projets qui seront annoncés d'ici quelques semaines ou mois à la population. Mesdames et messieurs, vous avez vu, Saxon vit, Saxon bouge. Vous êtes les représentants du milieu de l'économie. Tout cela est possible grâce à vous tous, grâce à chacune et à chacun d'entre vous. Monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, les milieux agricoles présents dans la salle auront certainement l'occasion de vous interpeller. Nous savons toute la défense et toute l'énergie que vous mettez à la défense de la zone agricole et du monde agricole, qui pour nous, à Saxon, berceau du verger valaisan, est extrêmement important. Et nous nous réjouissons, bien évidemment, de vous entendre, tout comme monsieur Bonvin, qui défend également le milieu viticole, et notre désormais collègue syndic de Nyon, monsieur Rossela, qui, du monde de l'art et de la... Du saltimbanque passe à un autre monde, le monde de la politique, qui parfois également rejoint le monde des saltimbanques. J'aimerais, en finissant, en ouvrant les conclusions de mon mot de bienvenue, vous adresser à toutes et à tous un chaleureux remerciement pour votre présence. Bien évidemment, adresser des remerciements aux membres de la commission de développement économique de la commune de Saxon, tous les bénévoles de ce soir, tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation, en particulier à M. Christian Roth, mon collègue du conseil communal, président de cette commission, et à mes collègues du conseil municipal de Saxon que je remercie et que je salue dans la salle, tout en vous disant que vive le Forum économique de Saxon, que vive Saxon. Merci. Pour commencer, notre premier orateur est aussi celui qui nous vient de plus loin. En effet, M. Vazécha n'a pas hésité à franchir la Sarine pour venir nous parler ce soir. Cependant, ce pas, il l'a fait bien avant aujourd'hui, puisque dès sa 12e année de scolarité, il a fréquenté les écoles du canton de Vaud, puis a suivi ses études de droit à l'Université de Lausanne. Il continue à ce jour ses trajets dans le cadre de son travail. Nous parlons ce soir de trajectoire et j'ai envie de comparer la sienne à une autoroute. Tout d'abord, et il me corrigera si je me trompe, parce qu'elle ressemble à une ligne droite. Jugez plutôt. Fraîchement diplômé en droit, il devient en 1971 secrétaire central de l'Union européenne de Suisse et rédacteur de la publication Europa. En 1975, il est nommé correspondant du Conseil de l'Europe pour la Suisse. En 1980, il est collaborateur juridique au Bureau de l'intégration du département fédéral des affaires étrangères. En 1982, il est promu premier secrétaire d'ambassade au service économique de la mission suisse, cela pour les organisations internationales et la délégation auprès de l'Association européenne de libre-échange et l'ancêtre de l'OMC, le GATT. Il devient ensuite conseiller d'ambassade, puis va ainsi gravir les échelons patiemment mais invariablement. Responsable de la négociation sur les achats publics lors des négociations bilatérales avec l'Union européenne, chef de la délégation suisse à la Charte européenne de l'énergie, ambassadeur délégué aux accords commerciaux,
président du comité des échanges de l'OCDE. Il deviendra en 2002 négociateur en chef de la Suisse à l'OMC, puis en 2007 représentant permanent de la Suisse à l'OMC et l'Association européenne de libre-échange. Je précise en passant qu'il s'agit ici d'une liste non exhaustive de tout ce qu'il a pu faire au courant de sa vie. Je suis obligée de résumer pour ne pas vous inonder d'informations. Vous le voyez donc, un parcours étoffé, une cadence soutenue, me font dire que sa trajectoire a toutes les caractéristiques d'une autoroute, quand elles ne sont pas en travaux, bien sûr. L'autre caractéristique de l'autoroute, c'est son espace, sa largeur, son ouverture. Monsieur Vasecha est l'illustration vivante de l'expression bien connue « avoir des racines et des ailes ». Sans cesse entre la Suisse et l'étranger, entre Berne et Genève, entre sa terre natale des Grisons et le reste du monde, il incarne, comme l'avait bien remarqué une émission de la télévision suisse romande il y a quelques années, l'homme suisse pluridimensionnel. Bien que son village natal de Savonine ne soit qu'à une quarantaine de minutes en voiture d'un forum autrement plus connu que le nôtre, il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, à l'heure où vous avez sans doute tous des questions sur l'avenir économique de la Suisse. Pour nous parler de son expérience, de ses expériences, M. Lucius Vasecha. Monsieur le Président, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs, Bunasaira. Tout d'abord, quand j'ai vu le titre où on m'invite à parler de trajectoire, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont invité des flèches ? Ensuite, je me suis souvenu que c'est à Sion que j'ai appris à ce que c'était une trajectoire, d'une manière tout à fait abstraite d'abord. Ensuite, quand la recrue Muller a confondu la cible avec une vache qui se trouvait à côté, j'ai compris ce que c'était qu'une trajectoire. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici à Saxon. J'ai déjà réussi à faire deux fêtes de l'abricot, non pas parce que je suis ambassadeur de l'abricotine, mais bien parce que je suis l'ambassadeur, entre autres aussi, de la poire William Duvalet. Origine grisonne, le ruisseau du village à la source s'appelle Julia, chez nous Gelcha, et quelques kilomètres plus bas, Julia. Donc, 3 langues dans un mouchoir de poche. Il est évident que cet héritage vous donne envie de connaître non seulement ce qui est politiquement correct, mais aussi les avis différents. Raison pour laquelle, à l'âge de 19 ans, je participe à un camp d'objecteurs de conscience du monde entier, dans les Grisons. Et c'est grâce à ma police qui veillait au grain de mon canton d'origine que j'ai eu ma première fiche dans l'histoire des fiches. Beau début de trajectoire. Mais je ne me suis pas laissé convaincre, j'ai fait mon école de recrue à Sion. Et j'étais tellement enthousiaste de ce cadre extraordinaire que nous avons, nous, les montagnards, que je me suis laissé persuader à continuer pour finir dans la plaine de Bière, dans l'artillerie autotractée. Ça, c'était une trajectoire ratée. Deuxième trajectoire extraordinaire. Il fallait bien, pendant les études, gagner des sous. Je le faisais dans l'hôtellerie, dans les Grisons, où j'ai eu ma plus grande ascension professionnelle. En l'espace de 4 jours, je passe du nettoyeur de chaussures au chef de réception, parce que le chef de réception prévu parlait 4 sortes de romanches, lisait le journal, se grattait le nez, et quand quelqu'un venait,
le prier d'attendre jusqu'à ce qu'il ait terminé son article. Ça, c'est des carrières rapides dues au hasard de la vie. Ensuite, j'ai trouvé un emploi extraordinairement charmant dans un collège canadien. Ils avaient besoin d'une personne qui les accompagnait comme administrateur des voyages. J'avais 17 ans, les filles aussi. Mais chaque année, elles restaient 17 ans et moi j'avais une année de plus. Donc j'ai cessé cet emploi il y a quelque temps. J'ai pu ensuite pénétrer les secrets d'une société civile, militante. Et là, ma trajectoire n'était pas tracée, parce que j'étais placé devant le dilemme, dans nos congrès européens, d'aller manger avec les Italiens, j'étais sûr de bien manger, ou avec les Allemands, là, j'étais sûr de travailler. Finalement, j'ai opté pour les Italiens. Et j'ai appris, à ce moment-là, qu'on pouvait travailler tout en mangeant ce que d'autres n'ont pas prévu dans leur règlement. Mesdames et messieurs, les choses sont devenues sérieuses quand il a fallu commencer à gagner de l'argent. Et j'étais dans le secteur privé. J'ai commencé un jour sans avoir travaillé comme juriste, au préalable. J'ai commencé comme juriste et pour augmenter le défi, c'était en italien, c'était au Tessin. Et c'est à cette époque que j'ai appris que le secret bancaire n'était peut-être pas éternel. Parce que ce que j'ai vécu dans cette période-là, on le vérifie douloureusement maintenant, on aurait pu le prévoir, mais les Suisses n'aiment pas anticiper. Ensuite, un appel est venu de Berne de rejoindre l'équipe du Bureau de l'intégration et j'ai pu me concentrer sur les relations officielles entre la Suisse et la communauté. C'était un travail passionnant et nous étions une excellente équipe. Simplement pour l'anecdote, une femme, une brave citoyenne, veut un renseignement. Elle tombe sur un collègue qui s'appelait Pavlov. Le brave Pavlov dit que ce n'est pas de mon ressort, je vous transfère à mon collègue qui s'appelait Bulgaris. Le Bulgaris en question n'était pas compétent pour ce dossier technique et l'a transmise à M. Schranowski. Et finalement, M. Schranowski m'a transmis le dossier et la pauvre femme s'écriait « Mais est-ce qu'il y a aussi des Suisses chez vous ?» Mais c'était une belle preuve d'intégration comme notre fantastique équipe champion du monde des moins de 17 ans. Cette trajectoire m'a conduit loin parce que, en 1983, je touche pour la première fois un pot de colle qui portait l'étiquette GATT, qui maintenant porte l'étiquette OMC. Je ne l'ai plus jamais lâché entre-temps, même si j'ai fait un tas d'autres choses entre deux. Voilà en introduction un peu ma biographie. Suisse d'origine grisonne, née à Berne, élevée dans le canton de Vaud, ayant épousé par tort des deux côtés une Haut-Valaisanne, ayant divorcé et épousé une Suissesse d'origine vietnamienne, je mange beaucoup plus léger maintenant. Mais j'aimerais quand même vous faire, dans une deuxième partie un peu plus substantielle, la trajectoire du commerce mondial. Replongeons-nous dans la situation de l'après-guerre. Il s'agissait de reconstruire l'Europe. Et ceci, évidemment, avec l'aide américaine, et donc le centre de gravité des relations commerciales était un échange transatlantique. Et tout d'un coup,
sans qu'on s'en aperçoive, sont entrés sur le terrain de jeu, les Asiatiques, et tout d'un coup, les échanges entre l'Amérique du Nord et les pays du Pacifique, des deux côtés du Pacifique, ont dépassé les échanges entre l'Europe et l'Amérique. C'était vers la fin des années 70. Et aujourd'hui, vous avez, dans le domaine des marchandises, plus que 50% des marchandises qui sont échangées entre des pays en développement. Que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud, vous avez des pôles d'attraction. L'Inde, la Chine et le Japon luttent pour la suprématie en Asie. Comme d'habitude, les Brésiliens, les Argentins et les Mexicains se battent pour la suprématie en Amérique latine. Dans les deux régions, les Américains sont très présents. L'Europe est marginalement présente. Et dans toute cette constellation, alors que la Suisse, politiquement frileuse, a su tirer profit de cette retenue et de ses angoisses en créant un secteur de l'assurance des plus forts du monde entier, l'économie suisse a tiré avantage de la globalisation en combinant investissement, innovation, brevetabilité et la recherche de solutions techniques à des problèmes de tous les jours, mais d'où les clients dans le monde entier attendent des réponses. Dans l'introduction de ce soir, on m'a présenté un petit portrait de l'économie ici à Saxon, et vous avez là aussi quelques entreprises de petite ou de moyenne taille qui réussissent à se faire une place sur le marché national, sur le marché européen, sur le marché mondial, parce qu'ils sont capables d'offrir une solution technologiquement nouvelle et apparemment à des prix de concurrence. J'étais très impressionné aussi quand la Haute École de Sierre nous a présenté dans un colloque il y a quelques mois la traçabilité du fromage avec une combinaison de vidéos et de Google qui vous permet, avec un petit chip qui est ajouté au gruyère AOC, de voir les vaches qui pèsent sur votre cadran de télévision, tout simplement parce que l'on peut donner ces renseignements aujourd'hui, une innovation trouvée à Sierre. Je suis très fier de cette économie suisse qui se bat partout, sur tous les marchés, à côté des grandes entreprises qui sont des joueurs mondiaux. Et l'Islande nous a démontré avant les quelques rhumatismes de l'UBS, que ça devenait dangereux d'avoir des acteurs aussi importants pour mettre en péril une économie nationale, ce qui explique au fond les difficultés actuelles de pays comme l'Irlande, il y a 2 ans encore considéré comme le tigre celtique, ou les pays baltes, tout simplement parce que leurs économies sont trop petites pour pouvoir résister à l'effondrement d'un grand joueur chez eux. Nous n'en sommes pas là, heureusement, mesdames et messieurs. Nous avons une situation économique difficile, mais nous avons tout lieu de croire que nous irons mieux dans une année. Ce qui nous tracasse pour l'instant, ce qui nous fait de la peine et ce qui
continuera à nous faire de la peine, c'est le chômage, surtout le chômage des jeunes. Il n'est quand même pas possible, mesdames et messieurs, que l'on exige de quelqu'un qui quitte sa formation universitaire de venir avec un bagage d'expérience. C'est totalement à côté de toute trajectoire. Il est évident que si vous n'avez pas d'expérience, c'est précisément votre premier emploi qui vous donne la chance de l'acquérir. Et pourquoi est-ce qu'on est si gourmand de vouloir quelqu'un avec un salaire relativement modeste, avec les expériences de quelqu'un qui a 20 années de carrière? Il y a là quelque chose que je ne comprends pas, et j'ai beaucoup d'entretiens avec des étudiants, parce que j'enseigne, et je trouve assez malheureux qu'on ne puisse pas offrir à des gens qui ont une formation théorique une place pour démarrer, pour montrer leur chance de travailler. Je suis persuadé que la plupart des chômeurs ne demandent que ça. Nous avons un autre problème, évidemment, c'est que plus nous délocalisons la production intense en main-d'œuvre, plus nous éliminons des places de travail, surtout pour des gens qui n'ont pas une formation très poussée. Et la seule réponse ne peut être que de pousser la formation, ne peut être que d'améliorer par tous les biais possibles l'intégration des étrangers de la deuxième ou de la troisième génération, car c'est eux souvent qui n'ont pas réussi dans une première trajectoire à atteindre des objectifs. Laissons-leur la chance d'avoir une deuxième ou une troisième chance plutôt que de devoir intervenir à un moment où ils n'ont plus de chance du tout. Mesdames et messieurs, la Suisse dans le monde. La Suisse est bien placée dans le monde économique grâce à son économie et grâce à une prépondérance de petites et de moyennes entreprises qui permettent justement d'atténuer les accros auxquels nous sommes confrontés. Mais ne nous laissons pas tranquilliser, veillons au grain, car nous vivons aujourd'hui, mesdames et messieurs, une guerre économique non déclarée. Quand vous voyez la visite du président Obama en Chine, 3-4 jours, un jour seulement chez leur allié principal en Asie, le Japon, il est évident que l'administration Obama a compris que la Chine va être sous peu la deuxième économie mondiale. Ils étaient nulle part il y a 10 ans. Ils sont 4e aujourd'hui. Ils seront 2e dans 2 ou 3 ans. Et ce n'est pas étonnant, puisque tout le monde investit en Chine, tout le monde produit en Chine, et la Chine commence à délocaliser, parce que dans le domaine des textiles, elle est déjà trop chère. J'ai vu l'autre jour l'annonce que la Chine est en train d'exporter une partie de son secteur textile en Égypte parce que déjà l'évolution a atteint un niveau pour lequel elle n'est plus compétitive. Notre exemple, l'exemple suisse des textiles, est une trajectoire absolument passionnante puisque c'était d'abord une industrie riche en main-d'œuvre, complémentaire à l'industrie horlogère. Ensuite, le secteur s'est concentré, surtout au Tessin, parce qu'on avait des frontaliers bon marché, et tout ceci est en train de disparaître. Nous n'avons plus que le vraiment haut de gamme pour l'industrie des textiles. Je crois, mesdames et messieurs, il ne faut pas être visionnaire pour anticiper quelque chose de similaire pour notre agriculture.
D'un côté, on a une clientèle de proximité que nous continuerons à garder si nous avons la possibilité de leur offrir des bons produits. Et je peux vous assurer qu'en parcourant le monde, je suis toujours heureux de revenir en Suisse pour manger du pain, pour manger des yaourts et pour boire un bon verre de vin, même si dans tous les pays, vous trouvez des bons vins. Ils sont rarement aussi bons qu'en Valais, bien entendu. Donc l'agriculture aussi, elle doit passer par ce passage. Et c'est là l'idée qui est derrière ce concept de la conseillère fédérale Leuthard pour développer un accord de libre-échange agricole avec l'Union européenne, pour exposer notre production à la concurrence, pour l'inciter à s'améliorer. Et on est tout à fait conscient qu'un tel saut ne peut pas se faire d'une année à l'autre. Il faut à peu près 10 années de transition pour y arriver. Faites-moi signe quand je dois entamer l'atterrissage de ma trajectoire, mais laissez-moi ajouter qu'il y a des pays qui ont des intérêts comme les nôtres et nous devons essayer de les convaincre à faire des alliances avec nous, comme nous l'avons fait à l'OMC avec le Japon et la Corée. Le fait de leur avoir sauvé la face devant les attaques des autres, parce que c'est moi qui parlais et eux n'avaient pas besoin de parler, nous a valu 2 cadeaux extraordinaires, un accord de libre-échange avec la Corée et un accord de libre-échange avec le Japon. Et même le Japon, très protectionniste en agriculture, c'était la première fois dans mon trajectoire, mesdames et messieurs, que j'étais offensif sur le dossier agricole. Nous avons obtenu un droit zéro sur le vin après une période de transition de 9 ans. Donc, mesdames et messieurs, dans 9 ans, le vin de Saxon pourra accompagner les sushis à Tokyo. Ma trajectoire n'est pas terminée. J'ai encore 3 ou 4 projets avant la retraite fatidique à 65 ans ou à 70 ans, grâce à M. Couchepin. Et parmi ces projets, évidemment, nous sommes en négociation avec l'Ukraine pour un accord de libre-échange. Nous préparons des négociations avec la Russie. Je suis président d'un parc naturel dans les Grisons, ce qui permet de revenir aux racines. Et j'ai encore un enseignement à Saint-Gall, ce qui me permet d'utiliser fréquemment les lignes de chemin de fer. Et je concède que le confort entre Genève et Saint-Gall est un peu plus grand qu'entre Genève et Sion. Mesdames et messieurs, la trajectoire de la Suisse, elle est troublée. Elle est troublée depuis 1949, parce que nous n'avons jamais su, nous n'avons jamais voulu admettre que notre destin est lié à l'Europe. Et puisque le dossier de l'Europe risque de confronter, on n'aime pas l'aborder. Mais c'est comme si nous construisions un beau pavillon dans un terrain qui n'est pas aménagé par nos voisins. Tout d'un coup, les voisins commencent à construire et notre pavillon n'a plus la même dimension qu'à l'origine. Croire que nous pourrions éternellement nous présenter à Bruxelles avec des requêtes spécifiques et d'être des privilégiés dans cette construction européenne, je crois que ce ne serait pas prévoyant. Et sur ce dossier aussi, il faut que nous commencions à anticiper. Il faut que nous sachions que si nous faisons quelque chose qui déplaît à nos voisins, ceci a des conséquences. Et nous devons donc constamment peser le pour et le contre d'une voie ou d'une autre. Sinon, il n'y aura plus qu'une seule trajectoire, c'est d'adhérer.
Et si nous voulons éviter cela, jusqu'à présent, nous avons réussi avec les bilatérales à aller très loin, mais nous devons aussi essayer de nous imaginer ce que ce serait si nous étions membres de l'Union européenne. Nous n'avons pas besoin de prendre de décision maintenant, mais il est plus sage de réfléchir maintenant, d'étudier les cartes de trajectoire de l'intégration européenne avant de demander à notre artillerie de tirer. Merci beaucoup de votre attention. Je remercie M. Vasecha pour son éclairage bénéfique et son regard professionnel sur l'actualité et le futur économique de notre pays. Vous aurez bien entendu l'occasion de lui poser vos questions après les deux autres interventions. Laurent Voulzy, John Baez, B.B. King, Indochine, Ray Charles, Georges Moustaki, Joe Cocker, Eddie Mitchell, Ben Harper, Michel Fugain, Eros Ramazzotti, Muse, Renaud, Mika, Francis Cabrel. Tous ces noms, que vous connaissez sans doute, ont un point commun, malgré leurs différences de genre et d'origine. Ils ont tous passé par le paléo. En 33 éditions, ce festival a attiré à Nyon plus de 4 millions de spectateurs et constitue à ce jour l'événement culturel majeur que vous connaissez tous. Derrière ce nom, il y a un homme qui est avec nous ce soir, M. Daniel Rossella. J'ai mentionné en début de soirée les points communs de nos trois orateurs. Vous allez maintenant voir leurs différences et réaliser que la réussite a de multiples visages. Pas de traversée de la Sarine pour Daniel Rossella, du moins pas de façon permanente. Né en 1953, il a grandi dans la campagne nyonnaise et devient à 19 ans animateur culturel. C'est à cette époque qu'il organise avec un groupe d'amis des concerts au Folk Club de l'Escalier. En 1975, l'événement sera renommé Paléo Art et Spectacle. La suite de l'histoire, vous la connaissez. À ce jour, Daniel Rossella gère chaque année plus de 50 employés permanents, d'une centaine de membres du comité d'organisation et plus de 4000 collaborateurs bénévoles. Il trouve aussi le temps, depuis bientôt une année, d'exercer la charge de syndic de la ville de Nyon. S'il fallait décrire sa trajectoire, on pourrait dire qu'elle s'apparente à un cercle. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de dire qu'il tourne en rond. Ce cercle dont je parle est un cercle ouvert. En sont témoins les artistes qui se déplacent chaque année durant une semaine à Nyon, depuis les quatre coins du monde. En témoigne aussi le rang de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres qui a été décerné à Daniel Rossella par le ministre français de la Culture et de la Communication en 2007. Le Paléo Festival rayonne hors de nos frontières et représente la Suisse à un niveau international. À l'heure où ce n'était que les débuts de cet événement annuel, Daniel Rossella a jonglé plusieurs années entre ses responsabilités au sein du festival, des études d'ingénieur et un stage de journaliste pour finalement s'inventer un métier à cette époque encore inédit, directeur de festival. Tout comme M. Vasecha, il n'a pas eu froid aux yeux, pas eu peur d'entreprendre. La réussite qu'il connaît aujourd'hui est le fruit d'une trajectoire peu commune, à la fois centrée sur sa terre d'origine et tournée vers l'extérieur. Il est là pour vous en parler ce soir, M. Daniel Rossella. Eh bien, c'est très agréable de me retrouver ici. Ici à Saxon, j'avoue que j'ai passé souvent, mais c'est la première fois que je m'y arrête. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais c'est un plaisir parce que, effectivement, de partager la soirée avec vous et avec quelques intervenants qui ont des trajectoires très différentes. Et je pense que ça va être effectivement assez intéressant de voir les différences. Il y en a qui étaient peut-être prévisibles. Puis on se rend compte qu'en fait, dans la ville, ce n'est pas si
prévisible que ça quand même. Mon propos, ça va être de vous parler un petit peu de l'aventure de Palo essentiellement, mais peut-être qu'après, je pourrai répondre à quelques autres questions. Pourquoi ? Parce que Paléo, c'est beau, mais Paléo, c'est ma vie surtout. Et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce festival, vous parler un petit peu avec d'humilité des clés du succès. Pourquoi ? Parce que si on parle des clés du succès, ce n'est pas parce qu'on avait, au moment de lancer cette manifestation, un projet très clair. On avait une envie, une passion, un enthousiasme, mais on n'avait pas fait d'études de marché, on n'avait pas un plan marketing, on n'avait pas un business plan. Donc je ne peux pas vous dire, voilà, on avait une recette, on a fait, on a réussi, regardez, les objectifs sont atteints, ils étaient mesurables et tout, pas du tout. Les clés du succès, c'est simplement en me retournant et en regardant le chemin parcouru, de constater que finalement, si le festival a connu ce succès, c'est pour un certain nombre de raisons et je vais essayer de vous les décrire. Et puis, je parlerai un petit peu du développement durable, même si dans la communication de Paléo, normalement, maintenant, on n'en parle plus puisque c'est pour nous une évidence, mais ça me semblait intéressant d'évoquer le sujet, de dire pourquoi est-ce que notre festival, il y a 10, 11 ans, probablement avant beaucoup d'autres, est parti dans cette direction et qu'est-ce que ça a pu lui apporter. Alors, Paléo, en fait, c'est une ville de 50 000 habitants pendant 6 jours. Donc, une ville éphémère qui est installée sur 5 communes différentes avec une douzaine d'agriculteurs et de propriétaires différents. 85 hectares au total, donc c'est quand même une certaine surface. Et c'est toute une organisation, et je vais essayer de vous la décrire en quelques mots. Comment est-ce qu'on arrive à ce nombre de personnes en sachant qu'on a seulement 37 000 spectateurs qui sont là par soir? C'est parce que nous avons d'abord des petits spectateurs, entre 1 000 et 3 000 enfants par jour qui ont moins de 12 ans, donc qui donnent une caractéristique assez particulière d'un festival multigénérationnel. Et puis, il y a surtout 4 300 collaborateurs bénévoles, donc pratiquement la population de Saxon, y compris les tout jeunes et les aînés, qui travaillent de manière bénévole pour le festival. L'équivalent de 55 postes, dont une douzaine de stagiaires à qui nous offrons une première chance d'un contact professionnel et d'un premier emploi. J'étais très sensible aux propos de Lucius Vazelcha parce qu'effectivement, on laisse passer la chance aux jeunes de leur premier emploi. Et il est tellement important, ce premier contact avec la vie professionnelle. Et ça, nous essayons de le faire, soit dans le cadre d'une activité rémunérée, comme un stage, on a une douzaine de places, ou aussi dans le cadre du festival, puisqu'on a un certain nombre de jobs à court terme. Et puis, dans les particularités, évidemment, il y a des artistes, des techniciens, des partenaires, des gens qui tiennent les stands, des sponsors, quelques invités comme les voisins, parce qu'on aime mieux qu'ils soient à l'intérieur en train de faire la fête qu'à l'extérieur en train de maugrer ou téléphoner à la police. Notez que la police, ils sont pratiquement tous chez nous, donc c'est quand même plus facile. Un certain nombre d'autres personnes qui sont directement ou indirectement impliquées dans le festival. Puis une des particularités, c'est que nous avons, entre ces dernières années, entre 550 et 650 journalistes, photographes, caméramans, techniciens des médias en tout genre. Et ça, c'est une particularité, c'est quelque chose d'assez bizarre, avec des aspects très positifs et des aspects qui le sont un peu moins. L'aspect positif, c'est que ça donne une notoriété très forte. Ça veut dire que la notoriété de notre festival est très grande en Suisse et à l'étranger. L'inconvénient, c'est que si nous voulons innover, apporter un élément novateur, tout le monde va observer ça.
Nous avons 22 chaînes de télévision cette année, un nombre incroyable de photographes en tout genre. Ça veut dire que si on essaye de faire quelque chose de nouveau, on a intérêt à réussir. Si on se rate, ça va se voir. Quand vous avez une entreprise, en général, quand il y a une innovation ou un prototype, on le fait dans des laboratoires, on essaye, puis quand c'est prêt, on peut le faire découvrir aux gens, inviter des journalistes ou le mettre à disposition du public. Chez nous, ce n'est pas tout à fait comme ça. Ça veut dire qu'il y a un impact considérable de tout défaut de l'organisation. S'il y a un accident, s'il y a un problème, ça va avoir une résonance extraordinaire. Donc d'un côté, quelque chose d'extrêmement positif, très favorable, agréable. Il y a quelques délices de la notoriété, mais il y a aussi les épines de la rose. C'est que si on se rate, on ne nous manque pas non plus, quoi. Donc c'est normal, ça fait partie du jeu. Je peux très bien vivre avec ça. En plus, j'ai été journaliste à l'époque, donc je connais bien les règles du jeu, quoi. Paléo, c'est le plus grand festival de Suisse, très nettement, pas de doute là-dessus. Un des plus grands d'Europe. Ce n'est pas notre fierté, nous n'avons jamais cherché à battre des records. Nous essayons plutôt de viser à l'originalité de notre festival et défendre notre identité. Spectateurs, je passerai rapidement. Nous avons un public jeune et fidèle. Jusqu'à il y a 2 ans, 50% de nos spectateurs avaient moins de 25 ans. La moyenne d'âge évolue un tout petit peu à la hausse parce qu'on a justement des gens qui sont très fidèles et c'est notre fierté. En même temps, c'est multigénérationnel, c'est-à-dire qu'on a au moins 3 générations sur le terrain, ce qui est un de nos buts. Le but, c'était que la musique réunisse les gens et que la musique ne joue pas un rôle de division entre des tribus, mais plutôt soit fédératrice. Les spectateurs, d'habitude, nous avions entre 6 et 10% de spectateurs de Suisse allemande, mais le dernier sondage était un peu particulier. Alors, je ne sais pas si les intervieweurs ne savaient pas l'allemand et n'osaient pas trop, ou si effectivement on a une diminution des spectateurs de Suisse allemande. Il y a une bonne raison à ça, possiblement. C'est le fait que nous vendons des billets très rapidement. Cette année, nous avons vendu 200 000 billets en 2h30. Donc c'est quelque chose d'assez fou. Nous vendons par moment 6 000 billets à la minute. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et effectivement, en Suisse romande, c'est un impact tellement fort que tout le monde est devant son ordinateur, en tout cas tous ceux qui veulent acheter un billet, ou en train de faire la file d'attente devant un des points du ticket corner. Et puis, quand les Suisses allemands se réveillent, ben, il n'y a plus de billets, quoi. Un des aspects aussi de la provenance des spectateurs, c'est l'adhésion de la région. Le district de Nyon, c'est un peu plus de 80 000 habitants. On vend 40 000 billets dans le district de Nyon. Donc, pour dire, une adhésion extrêmement forte. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un des revers de la médaille. C'est comme on vend nos billets très vite depuis 10 ans, plus de 10 ans, nous sommes complets. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a pas du tout besoin de faire de publicité et de promotion, puisque une newsletter et une conférence de presse, merci aux médias, nous remplit notre terrain pendant 6 jours en un temps record. Donc on n'a pas besoin de faire de la promotion de prestige. En plus, on n'émane pas d'un office du tourisme. C'est une équipe de copains qui avait envie de faire le festival, donc on n'a pas vraiment de raison de faire comme d'autres, comme Montreux par exemple, qui est l'émanation d'un office du tourisme, ou comme Caprice, ou comme Verbier, ou comme d'autres, qui ont un lien extrêmement fort avec leur office du tourisme. Et le but, c'est la notoriété de la station, ou la notoriété, ou de remplir les hôtels, alors que pour nous, la mission, elle est très différente. Un budget de 21 millions, les 3/4 des recettes proviennent des spectateurs, directement ou indirectement. Nous limitons en principe, idéalement, on ne voudrait pas que le sponsoring dépasse 15%. On n'y arrive pas tout à fait, on est à 18%. Notre souci, c'est de rester maître de la manifestation et d'être prudent par rapport au sponsoring. On sait que les sponsors ont quand même tendance à voler au secours de la victoire. Et le paradoxe, c'est quand on en a le plus besoin qu'ils seraient le moins là. C'est quand tout va très bien, qu'on a tous les sponsors qu'on veut. Et évidemment, ce n'est pas certain qu'il soit. Alors, on préfère avoir moins d'argent, mais travailler sur la durée, travailler dans la fidélité et espérer avoir une relation durable avec nos partenaires. Sur
les charges, rien à dire si ce n'est que le poste des constructions est très élevé, puisque c'est des terrains agricoles et que nous devons tout construire. Il y a un poste qui est relativement élevé aussi, c'est le bureau permanent. Pourquoi ? Parce que nous essayons de tout maîtriser nous-mêmes. Depuis l'organisation générale jusqu'aux nourritures et boissons. Par exemple, nous avons deux personnes de l'école hôtelière, diplômées d'école hôtelière, et une troisième personne qui est dans la gestion aussi, nourriture et F&B, pour gérer tout l'aspect restaurant, par exemple, restaurant et boissons. Nous avons des responsables des constructions avec un architecte et tout. Donc, nous essayons de tout faire nous-mêmes et ne déléguons ou ne mandatons des gens extérieurs que quand vraiment on n'a pas les compétences, ou ça serait des compétences très élevées pour une période très courte. Voilà, maintenant, on va parler un tout petit peu de cette histoire. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça ? 35e édition en juillet prochain. Mais évidemment, les prémices ont été différentes. On a eu une chance d'abord, c'est d'avoir commencé assez petit. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que c'était des erreurs, parce que c'est avec les erreurs et les échecs qu'on progresse. Et je dirais que ma trajectoire a vraiment pris le chemin des revers, des échecs, qui a favorisé une remise en question. Et c'est cette remise en question qui a permis de progresser. Et en commençant avec une petite taille, eh bien, on a fait des erreurs, mais qui n'étaient pas mortelles dans la mesure où les problèmes étaient à la grandeur, je dirais, des premiers projets. En 1973, j'ai organisé mon premier concert, j'avais 19 ans. J'étais à l'école d'ingénieur et pour payer mes études d'ingénieur, je travaillais comme animateur socioculturel à mi-temps, ça veut dire tous les week-ends et tous les soirs. Ce qui, évidemment, ne me laissait pas beaucoup de temps pour des études qui étaient quand même assez exigeantes. Et puis, j'étais en train de m'occuper des adolescents. Donc, j'avais 19 ans et je m'occupais de jeunes qui avaient entre, je dirais, 14 et 18 ans, à peu près, qui étaient souvent un peu en rupture de pas mal de choses, qui avaient des problèmes à la maison, des problèmes à l'école, qui étaient à l'âge beauf. Peut-être vous connaissez ça, un vocabulaire d'une douzaine de mots maximum, une motivation extrêmement faible, il n'y a rien qui était intéressant, enfin bref. Et on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces adolescents ? Et on a essayé toutes sortes d'animations, et moi j'adorais la musique et j'aimais beaucoup les concerts, donc j'essayais d'élargir leur horizon musical en leur présentant un certain nombre de styles de musique, en leur montrant qu'il y avait autre chose que les 5 morceaux qu'ils écoutaient toute la semaine, et puis de leur parler des concerts. Et quand on a eu l'idée d'organiser un concert, on a fait en sorte que chacun ait un poste et que chaque adolescent participe à l'aventure. Et c'est là qu'on a vu que la magie du spectacle opérait. On a trouvé des gens pour tous les jobs, depuis le dessin de l'affiche, l'impression en sérigraphie, la promotion, la sécurité. Là, on avait quelques jeunes qui se vantaient de ne jamais payer nulle part. Des resquilleurs, les meilleurs resquilleurs du canton, on les a pris à la sécurité en leur disant « Vous connaissez les trucs, vous n'en laissez pas passer. » Et il y avait aussi pour le nettoyage, pour le rangement et tout, on s'est rendu compte que même les tâches les plus ingrates trouvaient preneur. Ça veut dire que ces ados qui étaient vautrés sur les canapés, qui n'avaient jamais envie de rien faire, tout d'un coup, là, ils étaient vraiment motivés. D'ailleurs, après le spectacle, ils ont tout de suite dit « Quand c'est qu'on fait le prochain ?» Donc, ça nous a donné des idées de continuer. Et on a organisé un certain nombre de concerts, et ça a été quelque chose d'assez intéressant. Mais la formule avait des limites. Parce qu'il manquait toujours quelques personnes pour que ça marche. Si on faisait un spectacle dans une petite salle, ben, il manquait 5 personnes. Si c'était une salle plus grande, il manquait 10, 20 ou 50 personnes. Et à la fin, ben, on avait un problème, puisqu'il manquait des spectateurs, il manquait forcément de l'argent. Et c'était assez difficile. Là, j'ai fait des progrès assez fulgurants en comptabilité parce que quand l'oncle Paul commençait à s'occuper de mes factures, l'oncle Paul, c'est l'office des poursuites, je peux vous dire qu'on apprend très vite, quoi. Et donc, il y avait un problème au niveau économique. Il y en avait un autre qui était frustrant sur le plan artistique, c'est que quand on faisait des artistes qu'on aimait beaucoup, malheureusement, il n'y avait pas assez de gens qui les connaissaient. Et... ces artistes ne jouaient pas devant des salles aussi garnies qu'on aurait aimé. La formule du festival, c'était de dire, sur le plan artistique,
on va prendre des têtes d'affiche qui vont jouer le rôle de locomotive, des artistes moins connus qui pourront jouer devant beaucoup de spectateurs. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. Tous les festivals font comme ça. Mais je vous assure qu'à l'époque, ce n'était pas tout à fait comme ça. Ensuite, sur le plan économique, il y avait un aspect qui était intéressant, c'est qu'on allait pouvoir mieux maîtriser nos charges et nos recettes. Dans les petits concerts, tout le monde gagnait de l'argent, sauf nous. L'artiste, bien sûr, avec le cachet, les droits d'auteur, il y avait les taxes, il y avait l'hôtelier, il y avait le restaurateur, il y avait l'imprimeur, il y avait tout celui qui nous louait la sono, et le concierge qui vendait des bières à l'entracte, la femme du concierge qui faisait le vestiaire, celui qui venait vendre les sandwichs, celui qui venait vendre les disques. Enfin bref, tout le monde gagnait de l'argent, sauf nous. Mais évidemment, personne ne nous disait merci, quoi. Donc là, on s'est dit qu'il y avait un problème. Dans le cadre d'un festival, on a trouvé la formule, puisque dans ce cas-là, c'est nous-mêmes qui pouvions exploiter tout ce qui était lié aux nourritures et boissons. Donc, on pouvait maîtriser une partie des recettes, et évidemment, avec le même budget, faire une promotion bien plus grande, ou alors avoir un budget proportionnel qui était moins grand pour avoir un impact satisfaisant. Donc voilà un peu l'idée de départ du festival. Après, on a évidemment évolué. Le premier festival s'est déroulé dans la salle communale de Nyon. J'avais 22 ans et des poussières, avec toute une équipe qui avait à peu près le même âge que moi. Ensuite, on est parti dans l'aventure en plein air. C'était une évidence pour nous qu'on allait le faire en plein air. J'avais eu l'occasion de voir un festival en Angleterre, à Cambridge, qui me paraissait extrêmement intéressant, en tout cas inspirant. Et nous sommes partis à l'aventure. Ça n'a pas été très facile au début, puisqu'il nous fallait un peu d'argent. Non seulement de l'argent, on n'en avait pas, mais en plus, j'avais des dettes auprès de certains fournisseurs. Donc, je suis allé trouver tous les fournisseurs en leur disant, non seulement je ne vais pas vous payer, mais en plus, il faut me faire confiance parce qu'on va faire un gros truc, puis il faudra continuer à nous livrer, continuer à nous imprimer, continuer à nous fournir. Et ils ont tous joué le jeu, ils n'ont pas été fâchés, puisqu'après, on a travaillé pendant longtemps avec eux. Et ils n'ont pas perdu d'argent, et en plus, ils ont fait des bonnes affaires pendant un moment. Ça, c'était un moment extraordinaire. La difficulté, évidemment, c'était pour réunir quelque argent, puisqu'on avait besoin d'au moins 50 000 francs pour faire des avances de cachet. Sur un budget de 350 000 au départ, ça paraissait faible, mais enfin, c'était déjà un montant. Et on n'a pas osé demander cet argent aux banques, on a demandé 20 000. Il y avait 11 banques à Nyon, donc j'ai fait le tour des 11 banques, elles ont toutes dit non sauf une, qui a fini par dire oui, moyennant le cautionnement solidaire de 3 personnes et pour un montant maximum de 5 000 francs. Donc 5 000, 3 qui doivent signer devant un notaire. Comme on avait un vieux copain de 26 ans avec nous qui venait de se marier, là, lui, il a dû amener sa femme aussi pour signer. Alors quelques années après, il n'en restait plus 4 de banques à Nyon, sur les 11. Mais ils nous avaient fait une méchante morale pour nous dire que notre truc, ça, c'était pas sérieux. Mais nous, on est encore là, quoi. Voilà. Ensuite, je passerai rapidement pour dire qu'on a eu, après 3 ans, en 1979, enfin, on avait une structure professionnelle. Donc, j'ai fait mon premier concert en 73. Non seulement j'ai été bénévole pendant 6 ans, mais j'ai travaillé à côté pour rembourser les déficits des concerts. Ça, c'est du vrai bénévolat. Et c'est là que j'ai fait un stage de journaliste. J'ai fait loueur de pédalo, puis 2-3 autres petits boulots aussi. Mais j'ai fait un stage de journaliste, et ça m'a permis d'apprendre ce métier, et ça m'a permis de comprendre plein de choses et de mécanismes dans la communication. Et puis, j'avais dû abandonner mes études d'ingénieur. Alors, pour moi, c'était un échec. Et quand je parlais tout à l'heure de la trajectoire qui évolue avec les échecs, je me souviens très bien, je suis allé trouver mon prof de maths. On avait 22 heures de maths pure par semaine, hein, c'était pas mal. Et là, je commençais à être un peu déconnecté parce que je m'occupais beaucoup des concerts. Je finissais tard le soir et mes nuits étaient très courtes. Et puis, je lui ai expliqué que j'étais un peu embêté. Et il m'a dit, si c'est ta passion, le spectacle, écoute-la. Si ça ne va pas, tu reviens. Mais essaye. Et ça, c'est probablement le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné. Et c'est un prof qui me dit qu'il faut que j'essaye de sortir de l'école. Donc, c'était assez étonnant. Et comme j'arrêtais, puis ingénieur, pour moi, c'était quand même un projet. Et de devoir arrêter, si c'était pour changer d'école, OK, l'honneur est sauf, mais pour arrêter, c'est quand même une décision difficile. Et en fait, je pense que j'ai bien fait,
parce qu'au moins j'étais obligé de me lancer dans autre chose et je n'avais pas le droit de me rater, parce que tous les autres, ils allaient ricaner si je me ratais. Donc j'ai dû me donner à fond, et même dans les moments les plus décourageants, j'ai dû me dire, il ne faut pas lâcher, parce que je devais m'inventer un autre métier. Et c'est ce que j'ai pu faire. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où enfin on est quelques-uns à devenir des permanents, donc salariés pour cette aventure, qu'est-ce qui se passe ? Une crise, parce que les bénévoles avaient mal apprécié le passage. Il y avait plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils devaient continuer à aller à la banque, à l'usine, à l'école, au bureau, pendant que nous, on venait de s'inventer un joli métier pour eux. Ensuite, avant, on avait une façon assez particulière de fonctionner, de manière très informelle, mais assez efficace. En gros, nos séances, c'était tous les soirs à l'apéro. Pas d'ordre du jour, pas de procès-verbal. De temps en temps, une séance avec un PV, mais pas souvent. Et avec ça, on partageait tout. Donc, tout le monde était au courant de tout, tout le monde était impliqué dans tout, tout le monde participait à tous les processus de décision. Et puis, tout d'un coup, évidemment, quand il y a des professionnels, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est eux qui avancent. Et puis les autres, ils arrivent le soir à l'apéro, ils n'ont plus que le droit de demander quel vin on boit, parce que le reste, c'est déjà décidé. Alors évidemment que ça ne passait pas bien. Donc on a dû faire une profonde réflexion, et on a mis en place un système avec un respect des membres qui étaient des bénévoles, qui, eux, devaient être impliqués dans les processus de toutes les grandes décisions, donner les grandes lignes, mais en même temps, qui devaient faire confiance aux permanents. Et les permanents, qui devaient, eux, donc, contre cette autonomie de travail, avoir le souci de bien informer les collaborateurs bénévoles. Et on nous a rappelé à ce moment-là, et je le rappelle de temps en temps, qu'à l'origine, ce sont des bénévoles qui ont décidé d'engager des permanents, et pas des permanents qui ont décidé d'avoir des bénévoles. Donc, il fallait trouver le bon équilibre. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est encore très attentif. Alors, évidemment, les décisions sont beaucoup plus structurées qu'au départ, et la conduite de projet est à peu près exemplaire, alors qu'avant elle était très intuitive. Mais n'empêche que cette façon très intuitive a finalement été pas si mauvaise que ça. Voilà. Un autre échec, c'était en 1989, quand on a dû déménager. C'était notre chute du mur. On était pendant 6 ans dans une situation d'incertitude et de sursis. Chaque année, on ne savait pas si le prochain festival pourrait exister ou pas. Et ça, c'était quand même très, très pénible. Et en 1989, on a dû déménager. Et pour nous, c'était un échec. C'était vraiment très, très difficile de devoir déménager. Eh bien, finalement, ça a été une opportunité extraordinaire parce que d'être obligé de changer nous a demandé de tout repenser et nous a permis d'avoir une situation qu'on n'aurait jamais pu avoir si on était resté confortablement sur l'autre terrain. Voilà, là je passerai rapidement, simplement pour dire qu'on a eu le souci d'innover, aussi dans tout ce qui était nourriture et boisson, dans la musique on s'est très vite élargi, parce qu'à l'origine, dans ce genre de manifestation, qu'elle soit sportive ou culturelle, et quand je dis culturelle, c'était, il y avait peu de manifestations de ce type, il y avait pour manger 2 sortes de saucisses, les rouges et les blanches, avec une tranche de pain et de la moutarde douce. Je ne sais pas si vous aimez ça. Une fois, ça va, mais quand même, quoi. Et là, on s'est dit que ça n'allait pas, qu'il fallait changer. Et on est allé en direction des gens pour leur demander de venir faire quelque chose. Et c'est là qu'on a trouver des Turcs pour faire du kebab. Il n'y en avait pas beaucoup, je peux vous assurer. Ou trouver des Chinois pour venir faire des rouleaux de printemps. Et il y a des dizaines de milliers de Romains qui, pour la première fois de leur vie, ont découvert ce qu'était un kebab, un rouleau de printemps ou des choses comme ça dans notre festival. Maintenant, c'est une évidence. Dans tous les festivals, il y a une scène, un bar avec de la bière et des kebabs. Mais ça, à l'origine, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup de comme ça. Sponsoring. Premier festival, le seul sponsor qu'on a trouvé, premier festival en plein air, une marque de cigarettes, 5000 francs. On a tapé à toutes les portes. Personne n'était intéressé. La deuxième année, le deuxième festival en plein air, on a trouvé un seul autre sponsor que cigarettes, c'était Nouvelle Frontière à Paris. Aucun partenaire en Suisse. Et c'est seulement après qu'on a réussi à aller chercher un peu de sponsoring. D'où une certaine prudence par rapport aux relations avec les sponsors. C'est des partenaires importants. C'est un budget, c'est plus de 3 millions pour notre festival, donc ce n'est pas ridicule.
et on essaye de les respecter et de faire le travail dans les règles, mais on, par rapport au football, et je fais un petit clin d'œil à Christophe Bonvin, je dirais que pour nous, le spectateur, c'est le plus important. Et que comme toutes nos recettes proviennent, une très grande partie, directement ou indirectement, des spectateurs, on se met à leur place et on essaye de faire en sorte qu'ils aient envie de venir. Et ce n'est pas un montant marginal comme dans d'autres événements. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le football a connu quelques problèmes, pas à Sion évidemment, mais ailleurs, c'est que les recettes des spectateurs ne représentaient plus qu'un montant ridicule par rapport aux droits TV ou à la publicité. Donc finalement, que le stade y ait du monde ou pas, ça ne changeait pas grand-chose, puisque de toute façon, les recettes étaient là. Et ça, c'est une différence fondamentale. Je vous ai déjà parlé assez de quelques signes particuliers. Le fait que ça soit une association à but non lucratif, je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. D'abord, on n'a pas d'actionnaires. Donc on n'a pas des gens gourmands qui aimeraient bien avoir plus. On n'a pas de pression de ce côté-là. Ça veut aussi dire qu'on a un rapport avec l'argent qui est un peu différent. Pour nous, l'argent est un moyen et pas un but. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas savoir compter, parce qu'on est en face de gens qui, eux, savent bien compter. Et ça veut dire aussi qu'on a peut-être un rapport avec l'argent qui est plus agréable et qui nous a permis aussi de ne pas nous décourager dans des moments qui étaient difficiles et de ne pas céder à l'euphorie dans des moments qui étaient très, très forts. Parce qu'il y a eu des moments où on a eu des déficits importants, puis il y a eu des moments où tout d'un coup, il y avait un bénéfice très appréciable. Et ce qu'on a fait, on a constitué un fonds de réserve quand il y a eu un bénéfice, et puis on ne s'est pas découragé quand il y a eu des déficits. Là, on a la chance maintenant, ça fait bien quelques années qu'on a une situation qui est tout à fait positive. Ça nous permet d'investir un certain montant pour améliorer la programmation, améliorer la qualité de l'accueil ou améliorer l'outil de travail. Les clés du succès, comme je vous l'ai dit avant, si je regarde le chemin parcouru, ce que je me dis, c'est qu'au-delà de la passion et de l'enthousiasme, il y a eu quelques éléments qui étaient extrêmement forts. Le premier, c'est les valeurs de Paléo. Je pense que le fait qu'on ait été une équipe de copains partageant les mêmes valeurs et qu'après les copains des copains et toute la famille élargie et partager les mêmes valeurs, qui sont aujourd'hui dans une charte d'ailleurs, ont été un élément extrêmement fort. Ensuite, des promesses tenues avec tout le monde, avec les spectateurs, mais aussi avec les autorités, aussi avec nos fournisseurs, avec les artistes. C'est un monde où il n'y a jamais de procès. Mais quand on a dit quelque chose à un artiste, c'est mieux d'assurer, sinon on est brûlé. Et c'est quelque chose qu'on a fait, c'est vraiment de faire en sorte que notre parole vale quelque chose. Qu'on ait signé ou qu'on n'ait pas signé un contrat, peu importe. La parole, elle était très importante. Donc au moment où on s'engageait à quelque chose, on doit absolument le tenir. L'autre point, c'est d'assumer les responsabilités de nos choix. Et il y avait des fois des choix qui étaient difficiles, c'est de dire, OK, si on choisit ça, on va jusqu'au bout et on assume pleinement ça. Et puis évidemment, l'identité. L'identité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de croire en quelque chose, d'être fier de ce qu'on est, mais fier, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se remettre en question de temps en temps, mais pas de toujours être d'accord avec le dernier qui a parlé. Ça veut dire de ne pas se laisser influencer par des modes, de ne pas se laisser influencer par quelques courants, pas se laisser influencer parce qu'il y a tout d'un coup deux, trois petites choses qui changent. Non, d'être fier de notre choix, de l'assumer, d'aller jusqu'au bout, et même s'il y a des moments où ça paraît un petit peu plus difficile, de continuer d'affirmer vraiment son identité. Les éléments de valeur qui sont les plus forts, c'est le respect. Nous avons toujours employé ce mot. C'est clair qu'au départ, c'était une évidence pour nous. Et puis, il y a quelques années, on avait l'impression qu'il n'y a plus que le clergé qui avait le droit d'utiliser ce mot. Des curés ici ou des pasteurs ailleurs, c'était les seuls qui osaient encore employer le mot respect. Par chance, il est redevenu un peu dépoussiéré, je dirais. Mais ça, c'est quelque chose d'important. Le respect du spectateur, je vous l'ai assez dit, nous, on s'est toujours considérés comme des spectateurs privilégiés. On se met à la place du spectateur. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Le respect des artistes, mais sans être des groupies. Un respect pour que la prestation soit la meilleure possible. Un respect pour que l'accueil soit bon, simple, chaleureux, professionnel.
mais pas un respect de groupie. Ça ne sert à rien que l'organisateur ait un super contact avec l'artiste. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un super contact entre l'artiste et le public. La richesse, c'est la rencontre entre l'artiste et le public. Donc, c'est là qu'il faut que les choses se passent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai des contacts plutôt, je dirais, professionnels avec les artistes. Bien sûr, c'est un métier où tout le monde aime tout le monde. Mais j'essaye de ne pas avoir un lien trop affectif avec l'artiste. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des choix, après de programmation, c'est bien plus difficile. Quand on est trop copain avec un artiste, on n'osera pas lui dire non, alors que peut-être ce n'est pas le moment de le réinviter. Ou peut-être que notre exigence de programmation voudra qu'on choisisse quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu un piège de privilégier le côté trop affectif. Le respect de l'environnement, c'est quelque chose que nous avons eu depuis le début, quand bien même ça ne s'appelait pas tout à fait comme aujourd'hui. Il faut voir qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, l'évolution des consciences d'abord, de la prise de conscience d'un certain nombre d'éléments. Et puis la protection de la nature n'avait pas tout à fait les mêmes saveurs qu'aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on venait d'un mouvement folk au départ. Et qu'est-ce que c'était ? C'était une réaction contre le modernisme qui oubliait l'humain. C'était une réaction contre la guerre. C'était une réaction contre un progrès à tout prix qui privilégiait trop l'argent et le mercantilisme et qui oubliait, je dirais, certaines dimensions philosophiques. Et la protection de la nature était, je dirais, logique. Mais on ne va pas jouer les héros et les pionniers quand on ne l'était pas. Pour nous, la protection de l'environnement a vraiment été prise en compte, je dirais, à la fin des années 90, où tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui devait absolument changer. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça change ? C'est parce que on voyait bien que le fait d'être éphémère n'était plus une excuse pour ne pas être attentif à tout ce qui était lié à l'environnement. Et qu'on pouvait, pour une manifestation éphémère, être inscrit dans le développement durable. Et dans le développement durable, il y a trois axes qui sont importants. L'axe environnemental, on en parle souvent. L'axe social, qui est très fort à mon sens, mais aussi l'axe économique. Et je pense que c'est un bon équilibre des trois qui fait qu'on peut, continuer à faire quelque chose. Pour Paléo, c'était une évidence, c'est que si on n'est pas économiquement solide, ça ne peut pas durer. Mais pour ça, il faut être économiquement accessible, raison pour laquelle on a des prix des billets qui ne sont pas trop élevés. Pour donner une idée, je vous l'ai dit, le nombre de billets qu'on vend en peu de temps, tout le monde nous dit, mais si vous faisiez 5 francs ou 10 francs de plus, ça serait la même chose. Si on faisait 100 francs de plus, ça ferait 1 million de recettes supplémentaires en 2 heures. Personne ne verrait rien. Et on ne le fait pas. Parce qu'on veut rester aussi accessible que possible. Et ça illustre un peu notre rapport aussi avec l'argent. Et on ne veut pas de subventions, par exemple. Parce que ce ne serait pas difficile. Hein, en gérant une manifestation comme la nôtre, de faire un déficit pour justifier des subventions, je peux vous assurer que sans une gestion très rigoureuse, on pourrait parfaitement arriver à faire du déficit. Non, on pense qu'il y a d'autres formes d'art et de culture qui ont bien plus besoin que nous de cet argent, raison pour laquelle on est très, très attentif. On doit, sur le plan social, assumer notre responsabilité sociale avec nos collaborateurs permanents, avec nos collaborateurs bénévoles, mais aussi avec la région et aussi avec la Seine-Suisse. Et puis au niveau de l'environnement, on essaye d'être très attentif. Je passerai assez rapidement, juste pour vous dire qu'on a un tableau de bord environnemental depuis une douzaine d'années qui précise exactement combien on a de tonnes de déchets et combien de grammes par spectateur. On était à 1,2 kg de déchets par spectateur, on a 850 grammes, mais on doit aller plus bas que ça. Donc, on essaye d'être attentif. Au niveau des transports en commun aussi, on était à 16% de gens qui venaient au transport en commun il y a 5 ans. Actuellement, on est à 31% et notre objectif, c'est d'être au moins 40%. En même temps, on diminue le nombre de voitures. Donc, on peut constater que c'est possible. Le tri des déchets, on était à 15% en l'an 2000. Nous sommes pratiquement à 50% aujourd'hui de déchets triés. Donc, des progrès, on en a fait.
J'insisterai pas trop là-dessus, mais pour dire que ça a été quelque chose d'extrêmement positif pour l'image de Paléo, d'abord parce qu'on a été parmi les premiers, que dans tous les festivals dans les pays latins, on est un modèle. Dans les pays germanophones ou de l'Europe du Nord, c'est sûr qu'il y en a qui étaient avant nous et qui font mieux que nous, mais on a quand même été considérés comme un modèle. D'ailleurs, on a été dans les 5 premiers festivals d'Europe à avoir une norme de qualité et une certification qui s'appelait Green and Clean Award, qui justifie que nous sommes, je dirais, une sorte de festival modèle. Pour les déchets, c'est énorme. Ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, pour les gobelets, que nous avons mis en place un système de gobelets consignés, on a dû prévoir 900 000 gobelets avec tout un circuit de lavage sur place pour être capable de traiter ça avec une logistique énorme. Ça ne s'était jamais fait à une grandeur pareille avec autant d'utilisateurs. Évidemment, l'intérêt, c'est de le faire sur plusieurs années, sinon la production des gobelets n'est pas intéressante. Donc, c'est un investissement énorme et une logistique considérable, mais ça, c'est des défis. Ça fait partie de l'idée d'associer toute l'organisation aux défis du développement durable. Et puis, c'est des enjeux intéressants au niveau de l'innovation. Voilà. Je pourrais vous en parler des heures, mais évidemment, il faut aussi que je sois attentif à respecter un brin d'horaire et puis préparer aussi la place pour Christophe Bonvin. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, je remercie M. Rossella pour de nous avoir montré les dessous d'un festival du Paléo, de nous avoir montré l'envers du décor et surtout le chemin qu'il a dû parcourir pour en arriver là où il est aujourd'hui. Tout comme pour M. Vazécha, si vous avez des questions ou si vous voulez savoir comment se procurer des billets avant tout le monde, vous pourrez le faire après. Nous voici déjà arrivés à notre dernier orateur, mais non des moindres. Nous avons déjà eu le récit de deux trajectoires très différentes, et cette dernière amènera aussi son lot de particularités. Il me pardonnera un jeu de mots qui a sans doute été fait à maintes reprises, mais avec un nom comme le sien, Christophe Bonvin semblait avoir un avenir tout tracé. Cependant, même s'il est aujourd'hui retourné à ses origines, il a pris au départ une direction toute différente. En effet, après un diplôme de commerce, il a très vite prouvé ses aptitudes sportives dans le domaine du football. Il est resté footballeur professionnel de 17 à 32 ans. Joueur à Servette, Xamax et bien sûr, comme vous vous en rappelez tous, à Sion, à l'époque où il gagnait. Il a participé à 408 matchs de Ligue Nationale A, l'équivalent de la Super League actuelle, et a marqué durant cette période le chiffre impressionnant de 104 buts. Il a également pris part à 38 matchs de Coupe d'Europe, et été sélectionné 45 fois en équipe nationale, pour laquelle il a trouvé 8 fois le chemin des filets. Au final, il est à ce jour 4 fois vainqueur de la Coupe de Suisse et une fois champion suisse de foot, tout cela avec le FC Sion. Comme je vous l'ai dit, c'était l'époque où il gagnait. Une fois cette carrière fructueuse terminée, il est revenu à ses racines valaisannes et a véritablement fait honneur à son nom. Membre du conseil d'administration des Bars à Vin, membre du jury des Vinaliers internationales de Paris, membre du comité puis responsable des concours Vinéa, il a prouvé qu'il n'avait pas choisi le foot à cause d'un palais inapte à juger un bon cru. Preuve en est son poste actuel de directeur adjoint de la maison Charles Bonvin et fils à Sion. Parrain de plusieurs fondations, participant à une campagne de sensibilisation contre les mines antipersonnelles avec le CICR en Angola, il a également su s'ouvrir aux autres, une caractéristique commune à nos trois orateurs. J'ai dit de la trajectoire de Lucius Vazécha qu'elle ressemblait à une autoroute et de celle de Daniel Rossella qu'elle était comme un cercle ouvert. En voyant le parcours de Christophe Bonvin,
J'avais envie de comparer son retour aux sources à un demi-tour complet. Mais d'un ballon à un autre, la distance est peut-être plus vite franchie qu'on ne le croit. Mesdames, Messieurs, Christophe Bonvin. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici. Merci, enfin je fais les remerciements tout de suite, comme ça je n'oublie pas. Merci à la commune de Saxon, mais plus particulièrement à Christian qui m'a fait l'honneur en fait, de m'inviter à venir parler devant vous. Et puis maintenant, en fait, je vais tout de suite passer à des images pour chauffer un petit peu encore plus la salle. Donc on va voir un petit moment, enfin une finale de Coupe 6, bien entendu. Voilà. On retrouve en effet le FC Sion en finale l'année suivante. Geiger, Orlando, Milton, Ouattara et Assis ne sont plus là pour entourer Lehmann, Air, Quentin, Fournier, Vicky et Bonvin. Gaspo, Sylvestre, Lonfa, Colombo et Widmar les ont remplacés. Sur le banc, c'est Michel de Castel qui a succédé à Jean-Claude Richard, redevenu assistant. Sion a éliminé Lucerne puis Saint-Gall en quart et demi-finale. Et il retrouve une vieille connaissance, le FC Servette, qui affronte pour la troisième fois l'équipe valaisanne à ce stade de la compétition. Des Servettiens qui jouent leur saison sur ce match. Seule solution pour décrocher un ticket européen. Le FC Sion, lui, terminera deuxième du championnat, derrière l'inamovible grâce au père. Du côté du FC Sion, De Castel aligne 5 joueurs issus des juniors du club. Sans oublier Marco Pascolo, qui, lui, joue cette finale pour Servette. Ni Bertin Barberis, le héros de la finale 1974, que l'on retrouve sur le banc des Servettiens. Dominique Air et le Tchèque Nemetschek effectuent les formalités administratives sous les ordres de l'arbitre, M. Urs Meyer. Au TC Dunois, les Français Furfruys et Comboiré sont absents. Alors que Jean-Pierre Papin, lui, a fait le déplacement de Berne pour cette 71e finale de l'histoire. Et la première occasion est valaisanne, avec cette extraordinaire percée de Raphaël Vicky, stoppée par Marco Pascolo. La pluie tombe dru. Cela n'empêche pas les Valaisans de prendre le match en main. De Colombo, nouvel arrêt de Pascolo. Côté servettien, on aligne un attaquant incroyablement rapide et doué, Oliver Neuville, qui n'est pas encore un international allemand. Un Neuville qui menace une première fois Stefan Lehmann. Mais Sion continue de dominer. Pascolo sauve devant Widmar, dont le dribble puis la frappe auraient mérité un meilleur sort. Contre le cours du jeu, Servette va néanmoins trouver l'ouverture. Corner de David César, Jean-Philippe Carlen surgit. Lehmann ne peut rien. Un à 0 pour Servette, juste à la demi-heure de jeu.
Le coup est rude pour les joueurs de Michel de Castel. Servette sans Hardy prend possession du match. Nemetschek pour Neuville. Servette passe tout près du KO. Bertine Barberis reste néanmoins inquiet. Faites attention, l'hors-jeu, ça va aller assez vite. Sion n'a pas dit son dernier mot. Début de la deuxième mi-temps. Centre de Fournier, tête de Widmar. Cette fois, ce sont les jeunes voix qui ont plus peur. Sion pousse, Servette contre. Gaspo est piégé par le terrain. Neuville frappe, c'est 2 à 0 pour les Genevois. Cette saison-là, Oliver Neuville inscrira 9 buts en Coupe de Suisse. Le 9e n'étant certes pas le plus vilain. Sion est mené 2 à 0. Il reste moins d'une demi-heure. Jamais le spectre de la défaite n'a été si net. Mais Christophe Bonvin, qui dira plus tard qu'il ne voulait pas faire partie de la première équipe rentrant sans la coupe en Valais, va relancer le FC Sion. Le centre est de Moser. Et Servette n'aura mené avec 2 buts d'écart que durant 3 minutes. Pas assez pour instiller le doute dans les esprits valaisans. 3e but inscrit en finale de coupe par Christophe Bonvin après 1986 et 1995. Alors, la magie opère. Servette craque complètement devant la Furia valaisanne. 67e minute, corner de Widmar, frappe de Sylvestre, déviation de Vicky, 2 à 2. Génial inspiration de Raphaël Vicky, qui ne laisse aucune chance à Pascolo. Et si on continue. 74e minute. Gaspo sert Bonvin, dont la déviation de la tête trouve Widmar, qui ne manque pas la cible. 3 à 2 pour le FC Sion. Les Valaisans ont totalement renversé le cours du match en 10 minutes de folie, entre la 64e et la 74e minute. Superbe déviation de Bonvin. 7e but en coupe cette saison-là pour le buteur australien Aurelio Widmar. Servette ne peut pas se remettre d'un tel sursaut. Le FC Sion remporte sa 8e victoire en autant de finale.
fait, c'était sympa, hein, c'est assez sympa, mais c'était surtout pour vous expliquer que là, et ça va être un petit peu mon propos de ce soir, ma trajectoire, mais aussi essayer de vous expliquer en fait que la reconversion d'un sportif professionnel n'est pas forcément toujours évidente, et puis les mécanismes en fait ne sont peut-être pas toujours faciles à comprendre. Alors voilà, c'était là la lumière, et puis après en fait, on doit rentrer dans l'ombre gentiment. Quand on a fini sa carrière sportive professionnelle, on doit rentrer dans l'ombre gentiment, et je crois que ce n'est pas toujours évident, et c'est les propos que je vais essayer de vous tenir. Donc, je vais commencer au début. Donc, j'avais 12 ans quand je suis parti de Ried pour aller à Sion. C'est M. Goul qui est venu me chercher dans le village de Ried pour aller jouer à Sion. Puis là, déjà, mes parents me disaient « Oh, mais le petit va à Sion, ça va être déjà quelque chose d'extraordinaire. » Donc, je suis parti à Sion assez tôt, à 12 ans. Et puis après, je joue junior comme ça. Puis à l'âge de 16 ans, c'est là qu'on commence à se dire finalement « Il y a peut-être une carrière professionnelle qui se dessine. » Et c'est vrai qu'on rêve déjà à partir de 16 ans. Et je peux vous assurer qu'à 16 ans, quand on a les yeux qui pétillent comme ça, puis qu'on se dit peut-être qu'on va jouer en Ligue nationale là, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de ces Super League, mais c'est vraiment, je suis resté à la Ligue nationale là. En fait, on se dit, voilà, on va peut-être pouvoir jouer là-haut, et on a ces yeux qui pétillent comme ça. Et puis je peux vous assurer, en fait, quand on a 16 ans, quand on pense à peut-être jouer une fois en Ligue nationale, on pense à tout sauf à sa reconversion, ce qui est normal, vous conviendrez. Alors moi, j'avais quand même des parents qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours, en fait, mais jamais poussé, ça c'est important. Ils n'ont jamais voulu jouer à ma place en fait, au foot, ils n'ont jamais joué par procuration en fait, pour moi. Et donc ils m'ont soutenu, j'avais des frères et sœurs, enfin deux frères en fait, qui m'ont aussi soutenu. Et ils m'ont dit aussi assez tôt, si, tant qu'à faire, fais quelque chose. Quoi. Donc j'ai fait une école de commerce. Mais déjà la première petite chose un petit peu difficile à gérer, c'est que l'école de commerce, je dirais entre guillemets normal, c'était difficile. Alors peut-être que je n'étais pas assez intelligent, mais c'était assez difficile parce que j'étais professionnel, enfin, dans le cadre de l'équipe à 17 ans. Donc la deuxième année de mon école de commerce, j'étais déjà dans le cadre de l'équipe, et c'est vrai que j'avais des difficultés quand même à suivre tous les cours. Et Sœur Marie-Rodolphe, qui était à l'époque la directrice en fait, de l'école supérieure de commerce de la ville de Sion, elle n'aimait pas tellement que je manque des cours, donc j'ai choisi la solution de facilité, c'est-à-dire que je suis parti dans une école privée. Mais j'ai quand même fait l'école, c'est juste, j'ai un diplôme de commerce quand même, je veux dire, tout à fait officiel, donc c'est vrai que j'ai quand même fait l'école de commerce. Mais déjà là, on voit en fait que les structures, en tout cas, n'étaient pas, enfin, pas ce que sont maintenant, puisque maintenant, c'est vrai qu'on facilite un tout petit peu par les sports-études, en fait, ces sortes de sports-études de collège, où en fait, on peut avoir une certaine souplesse par rapport au sport. Alors voilà, donc, moi j'arrive, là j'ai 16 ans, j'ai la perspective, 16-17 ans, la perspective de jouer en Ligue nationale A, et puis je profite à fond. Je fais tout pour arriver quand même, ce qui est normal. Et puis l'école, je l'ai fait, mais avec peut-être moins d'attention. Et j'étais peut-être moins concentré en fait à faire l'école. Et puis après, j'ai la chance d'arriver assez tôt. On m'a dit, ça arrive un peu naturellement, on m'a dit, prends tes souliers, en fait, va jouer avec la première, va t'entraîner avec la première. Donc ça arrive assez naturellement comme ça. Et c'est vrai que c'était quelque chose que tout le monde aspire. Et puis j'étais bien évidemment content de ce fait-là. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte qu'on arrivait en fait dans une bulle. On arrive dans une bulle parce que là, on essaye en fait de gommer un petit peu tous les paramètres qui vont vous gêner dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va vous dire de se concentrer en fait sur le foot, uniquement sur le foot, parce qu'on est là vraiment pour jouer. On n'est pas là pour réfléchir. Et c'est vrai que cette bulle, en fait, il faut la gérer, puisque je suis resté personnellement pendant 14 ans dans une bulle. Et c'est vrai que la société, on parlait d'autoroute avant, en fait, alors la société normale, c'est une autoroute qui va dans un sens, puis la société du sport, c'est une autoroute qui va dans l'autre sens. Et le grand problème, c'est qu'en fait, 15 ans plus tard, en fait, on doit soit réintégrer cette société, et c'est pas forcément évident de le faire. Les mécanismes sont, comme je disais avant, pas tout à fait faciles à prendre. Alors voilà, moi, je rentre donc dans cette bulle, et puis j'ai une grande chance, peut-être, que tout le monde n'a pas, c'est qu'en fait, tout mon entourage était derrière moi, comme j'ai dit, me soutenait. Par contre, ils m'ont jamais en fait mis en avant. Ils m'ont jamais dit ouais, mais comme t'es beau, parce que tu joues au foot, quoi. Mes parents, en fait, ils me soutenaient, mais ils étaient de la terre. Donc, en fait, j'ai toujours resté les pieds sur terre. Et dans ce métier qui est sportif professionnel, footballeur pour moi, en fait, plus vous décollez, plus vous avez de la peine à atterrir. Ça c'est clair. Plus vous montez dans la hiérarchie, en fait, la starification, plus vous avez de la peine, en fait, à redescendre. Et là, j'ai vraiment eu énormément de chance avec ma famille, avec mes amis, et puis en fait tout entourage qui me soutenait. Et j'ai même une anecdote assez,
assez symbolique par rapport à ça, c'est qu'après 7-8 ans, je sais plus exactement de carrière, on a joué contre la France et j'ai eu la chance de marquer 2 buts contre la France. Et puis le lendemain matin, quand je me suis réveillé, en fait, moi, j'étais boire un verre après le match, puis le lendemain matin, je suis arrivé à déjeuner, puis je regarde un peu ma femme comme ça, puis je pense que j'ai dû lui montrer que j'avais marqué 2 buts contre la France, et puis je me dis, regarde un peu comme je suis beau, comme ça, là. Et puis c'était la première fois, c'était 6-7 ans, donc j'avais quand même joué 2-3 matchs en Liga. Et puis je lui dis, c'est quand même pas mal, tu sais, ce que j'ai fait, tout ça. Et puis elle m'a senti assez bien, là. Elle m'a dit, ouh, mais lui, il est en train de décoller un tout petit peu. Elle m'a dit, ah ouais, c'est bien. Alors, par contre, j'avais oublié de te dire une petite chose, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, je pars avec ma copine, en fait, et je vais me promener. Et puis tu vas t'occuper, bien entendu, des 3 enfants. On avait 3 enfants à l'époque, ils sont plus grands maintenant, mais enfin voilà. La petite avait 3 mois, en fait, 3 mois, 2 ans et 4 ans. Puis elle me dit, mais tu t'occupes des enfants. Et puis moi, je reviens ce soir à 10h. Et puis, c'est à 10h que je verrai si t'es un homme et puis un vrai. Elle m'a dit vraiment ça. Alors là, je suis vite redescendu. J'ai dit, finalement, j'ai la chance, en fait, d'avoir quelques compétences dans le foot. Mais à part ça, en fait, je suis comme tout le monde. Et c'est vrai qu'elle m'a remis, peut-être la seule fois de ma carrière, où je suis très fier d'avoir joué au foot et je suis très content d'avoir joué au foot. Mais là, quand j'ai failli décoller, elle m'a vite ramené au sol. Et à contrario aussi, si ma femme, en fait, m'avait dit, écoute, on va voir tous les matchs de première ligue ou deuxième ligue du canton, je peux vous assurer que tout le monde m'aurait tapé sur l'épaule, m'aurait dit, mais comme tu es beau, tu es magnifique, c'est extraordinaire. Et je lui ai dit, le lendemain, j'aurais été acheter des magasins sur l'Arc Lémanique puisqu'on est joué à Lausanne. Et c'est vrai que ça aurait changé, en fait, ma perception pour ma reconversion, mais c'est ma perception tout court de la vie. Hein. Je dis, j'ai aussi une anecdote, aussi une autre, qui m'a toujours permis de rester vraiment les pieds sur terre. C'est qu'en fait, j'avais un copain, que j'ai toujours d'ailleurs, et je fais de la montagne avec lui maintenant, mais à l'époque, je faisais de la grimpe. Et c'est vrai que le samedi, je marquais de temps en temps de goal, hein, puis j'étais mauvais aussi, ça c'est bien évident, mais bien évidemment. Mais là, le dimanche, j'allais grimper avec lui et ses amis. Et lui, il faisait du 8C, en fait, je ne sais pas si quelqu'un connaît un peu les cotations comme ça, c'est vraiment... C'est incroyable, tu sais, il y a une paroi, puis il n'y a rien dessus, en fait, c'est lisse, et puis il faut monter. Et moi, je me traînais, enfin, il me traînait plutôt en haut, sur du 6, en fait, c'est presque un chemin de montagne, quoi, du 6. Donc là aussi, je relativisais assez vite, et c'est, pour moi, en fait, c'était tout des bonus par rapport à la vie après le foot. Hein. Et ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces pics émotionnels qu'on a dans le foot, c'est très haut, on va très haut dans les émotions. Hein. Et si on recherche... Après sa carrière, si on essaye de trouver en fait ces pics émotionnels, hein, ben on n'arrivera pas forcément. Il faut transférer ça. Il faut essayer de trouver dans d'autres domaines, puisqu'on ne pourra plus retrouver. Moi, j'ai eu la chance aussi de faire 2 matchs quand même rigolos. Je peux vous assurer que de jouer devant 82 000 spectateurs à Wembley avec le duc de Kent qui vient me toucher la rame comme ça, puis la reine d'Angleterre, moi, elle est un peu fatiguée, elle a des épaules comme ça. Mais je dis, c'est, si on croit que c'est vrai tous les jours, si on pense que ça va être son lot quotidien toute sa vie. Je veux dire, ben on se trompe, on fait juste de se tromper. Et de nouveau, là, je reviens à l'entourage, et c'est tellement évident en fait que l'entourage est important. Et c'est vrai que soit Liverpool, soit les finales de Coupe Suisse, c'est pour ça que j'ai montré les finales de Coupe Suisse, vous avez l'impression en fait d'être quelqu'un, enfin on vous dit que vous avez l'impression, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, puisque vous avez 40 000 personnes qui viennent voir le match à Berne, puis après en fait il y a encore 20 000 qui viennent nous voir à Tourbillon, enfin pas à Tourbillon, à l'avenue Lagarde, remonter à l'avenue Lagarde, donc c'est vraiment... Si on n'arrive pas à relativiser, c'est difficile toujours de redescendre. Alors c'est vrai que j'ai eu pas trop de mérite, puisque comme vous l'avez compris, en fait, ma femme, elle m'a bien gardé les pieds sur terre, quoi. Et mon entourage aussi, mes frères, mes 2 frères aussi, toujours, ils m'ont toujours dit, si tu vois, mais t'as de la chance de faire du foot, mais non, on était autant bon que toi, je suis pas sûr ça, mais enfin... Mais en fait, on relativisait. Alors ça, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, en fait, d'avoir eu un entourage comme ça. Et puis il y a aussi une chose en fait qui a par rapport à ma trajectoire qui a toujours été une ligne de conduite, c'est que j'ai dit à mon papa quand j'avais 23 ans, c'est lui qui me le rappelle, j'ai dit écoute, moi il y a 2 choses que je veux faire après le foot, c'est je veux ne pas rester dans le milieu du foot. Je savais assez tôt que je voulais pas rester dans le milieu du foot. Je ne sais pas d'où m'était venue l'idée. Et puis l'autre chose, c'était de finir pas trop tard ma carrière. Et puis surtout, de décider moi-même de l'arrêt de ma carrière. La date, en fait, de l'arrêt de ma carrière. Et ça, c'était aussi important pour moi. Parce que je pensais que c'était vraiment fondamental de pouvoir décider. Et pas qu'un président de club vous dise « Ouais, mais t'es trop vieux. » Ou bien qu'un entraîneur dise « Ouais, mais tu es plus assez bon comme ça. » Alors donc, c'était important pour moi de décider. C'est ce que j'ai fait. Mais avant la décision d'arrêter en fait une carrière, eh ben il faut penser, et c'est là aussi le grand problème, c'est qu'il faut penser à sa reconversion. Mais quand on est dans le milieu du foot, quand on joue au foot, je veux dire, les présidents,
ce qui est normal, les entraîneurs, ce qui est encore plus normal, les spectateurs aussi, je veux dire, ils sont là, en fait, pour que vous jouiez au foot, que vous pensiez foot, et puis que vous gagniez. Le président, il veut que vous gagniez. Il ne veut pas forcément que vous pensiez, il ne veut même surtout pas que vous pensiez à la reconversion. Parce que si vous pensez à votre conversion, ben vous serez peut-être un petit peu moins performant. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en fait, pour moi, en tout cas, ce n'était pas le cas. Mais c'est vrai que l'entraîneur, il veut que vous jouiez. Il veut que vous jouiez. Il veut en fait que vous concentrez sur le match du samedi, le match du samedi, du mercredi, le match du samedi, le match du mercredi. Donc, c'est, on est, comme je disais, dans cette bulle. Et c'est pas, alors je me plains un tout petit peu, hein, enfin, je ne me plains pas, mais c'est juste une constatation. Hein, parce que je ne veux pas qu'après vous me disiez, oh, mais il ne sait pas footballeur, en fait, tout ça. Non, c'est juste une constatation. Ce n'est pas forcément évident, en fait, d'être professionnel, d'être toujours. On a la tête dans le guidon comme ça. Et puis, si on n'a pas quelqu'un qui vous dit, mais lève la tête un petit peu, regarde, ce n'est pas évident hein, de prendre un petit peu de recul. Les spectateurs aussi, en fait, sont là. Hein, bon, j'ai joué qu'en Suisse, mais ils sont toujours là pour vous féliciter, toujours là pour vous dire, en fait, mais c'est bien ce que tu fais. Parce qu'il y a très peu de gens qui, en face de vous, viennent vous dire, ah ouais, mais t'as pas été bon. Les gens vous critiquent dans les gradins, ce qui est normal, parce qu'ils sont. C'est normal, hein, sur le terrain, ils nous critiquent. Mais après, ils sont plutôt prompts à vous féliciter, même si vous n'avez pas été bon. Et puis même si en fait on n'est pas bon, on est quand même un tout petit peu à la télé, on est un petit peu dans les journaux, donc on touche un peu à ce monde, la starification, et c'est grisant. Et c'est grisant, et c'est presque un peu dangereux, enfin, ça peut être un peu dangereux, si on n'arrive pas à relativiser, hein, et si on n'arrive justement pas à cet entourage qui nous dit, ouais, ben reste un petit peu les pieds sur terre. Alors voilà, c'est vrai que pendant toute la carrière, en fait, se déroule avec ses pics émotionnels et tout ça, et puis moi, je suis arrivé, j'ai signé mon dernier contrat, en fait, ouais, j'ai signé mon dernier contrat avec Monsieur Constantin. Et quand je suis sorti du bureau, donc 2 ans avant que j'arrête le foot, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, j'arrête le foot. J'ai bien entendu pas dit à Christian que j'arrêtais le foot, parce que je pense qu'il m'aurait, il aurait pas apprécié, en fait, que je me mette dans la situation de penser déjà à ma reconversion, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, et 2 ans avant donc, d'arrêter le foot, je me suis dit, à moins qu'un grand club vienne me chercher, hein, je veux dire, j'arrête le foot. Donc, je me suis mis à la recherche, hein, de ma reconversion. Alors, j'ai peut-être fait ce qui existe maintenant. En tout cas, je sais que dans certains domaines, ça existe. C'est-à-dire que j'ai fait un bilan de compétences tout seul. Je me suis dit, mais quelle est ma caisse à outils, hein, que j'ai à disposition? Quelles sont en fait ces compétences que j'ai après le foot? Et là, c'est vrai que quand on regarde en fait quelles sont mes compétences, j'ai rien, j'ai presque rien. J'ai pratiquement rien, puisque pendant 14 ans, hein, 13 ans, en fait, j'ai fait du foot. C'était mon métier. Tous les jours, je mettais toute mon énergie que j'avais pour le foot. Et je n'avais peut-être pas l'intelligence, peut-être pas les capacités pour en plus aller le soir faire les cours du soir. Ça, c'est peut-être une faiblesse que j'avais, mais je me suis pris un luxe, c'est que je me suis occupé de ma famille. Voilà. On a fait des enfants avec ma femme, comme ça, on en avait 3. Et puis, j'avais le temps de m'occuper, pendant les temps libres, de ma famille. Et puis après, je devais penser à la récupération. Et au foot. Et j'ai rien eu le temps de faire d'autre pendant 14 ans, 13 ans. Alors c'est vrai qu'après, on se dit, quelles sont tes compétences? Et moi, je vous dis quand même comme ça, à part taper à la machine, puisque je me rappelais de l'école de commerce, ça, ben, je peux vous dire que le reste, je n'en avais pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je savais faire, en fait, hein? Je ne pouvais pas me dire, je vais être directeur de banque, hein, ça, je n'arrivais pas. Hein. Je n'avais pas les compétences. Je ne pouvais pas me dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Quand je perds le nom. Ben c'est déjà, en fait, 10 ans avant, qu'un universitaire, en fait, on doit lui donner en fait, sa chance. C'est vrai, hein, un footballeur qui a fini sa carrière de footballeur et qui veut sortir du milieu du foot, hein, je veux dire, parce que la possibilité, c'est de rester dans le milieu du foot, c'est peut-être la possibilité la plus facile de prime abord, mais il n'y a pas de place pour tout le monde, pour tous les entraîneurs, il n'y a pas de. Puis tout le monde n'est pas compétent pour rester dans le milieu du foot. Donc, si après abord, c'est la facilité, c'est peut-être pas le cas en définitive. Donc, si on veut sortir, eh ben on n'a pas beaucoup d'atouts. Alors on a la chance en Valais, et ça c'est clair que je remercie les Valais, la fidélité des Valaisans. En Valais, si on n'a pas tué quelqu'un et puis qu'on a fait une carrière assez sympathique, eh ben on a des gens qui vont s'intéresser à vous si vous avez envie de donner un peu de votre personnalité. C'est ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de donner un tout petit peu de tout ce que m'avait donné le foot. Et puis j'aime assez parler, j'aime assez partager. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire? J'adorais le vin, ça faisait longtemps que j'aimais bien le vin. J'ai commencé à déguster en fait à Genève, symboliquement. Mes premiers verres de vin, c'est à Genève que je les ai dégustés. Et là, je me suis dit, ben voilà, je vais essayer d'aller dans ce domaine-là.
Et c'est vrai que c'est assez naturel de nouveau, comme pour le foot, c'est assez naturel de tourner dans ce domaine du vin. Et c'est ce que j'ai fait. Mais comme je vous disais avant, et j'insiste, on n'a pas une grande caisse à outils quand on a fait 14 ans professionnels. Hein. Je dis certains, mais ils sont quand même rares, font des études un peu plus poussées. Mais je ne sais pas si dans la salle, vous pourrez me dire beaucoup de noms de sportifs professionnels, ou en tout cas de footballeurs professionnels, qui ont fait des études universitaires. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont fait. Hein. Alors voilà, donc c'est toutes ces difficultés pour se reconvertir que je viens de trois petits paramètres qui sont à prendre en compte. Alors, donc j'avais décidé d'arrêter, et ben, je me suis retourné dans ce milieu du vin, du partage et tout ça, et puis je dis aussi un petit peu en clin d'œil comme ça, j'ai la chance d'avoir vécu d'une première passion qui était le foot, et puis quand on jouait au foot, pardon, on disait ouais mais c'est pas un métier. Puis j'étais un peu chagriné parce que je disais oui mais c'est un métier, je trouve ça un métier. Alors moi j'ai la chance en fait maintenant de ne pas travailler parce que ce que je fais maintenant c'est pratiquement que du plaisir. Je partage avec les gens, je suis là, on partage en fait, on partage du vin, des émotions, des senteurs et tout ça. Mais j'ai la chance de travailler dans un domaine où les gens prennent le temps. Et c'est vrai que quand on participe à une dégustation, on se dit ben on va pas essayer de vite acheter un verre de vin, une bouteille de vin comme ça le plus rapidement possible. On prend un certain temps et c'est un luxe pour moi que les gens prennent du temps de venir de déguster comme ça. Et c'est extraordinaire. Et c'est j'ai toujours été passionné par tout ce que je faisais, par le foot bien entendu, mais maintenant c'est encore plus par le vin parce que je trouve que c'est vraiment un domaine qui appelle au partage. Et je trouve que le partage est quelque chose de fondamental dans la vie. Et c'est vrai qu'avant, on partageait avec les spectateurs. Alors, des fois, c'était peut-être pas exceptionnel. Enfin, Daniel disait avant qu'on devait respecter les spectateurs, mais des fois même, en essayant de les respecter, on n'arrivait pas toujours. Parce que c'est pas non plus évident d'être toujours bon le mercredi, le samedi, le mercredi, le samedi. Des fois, en fait, on est un petit peu moins bon. Mais je peux vous assurer que c'est plus facile d'être moins bon dans le domaine du vin, parce que quand je suis un petit peu moins fort dans le domaine du vin, un petit peu moins en forme, les gens remarquent moins. Quand vous avez 30 000 personnes qui sont dans un stade et puis que vous loupez les deux premiers ballons, vous amortissez mal le ballon, il y a une pression qui est un petit peu différente. Quoi. Je dis, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Alors voilà, donc moi je suis bien heureux. Hein, quand j'étais un petit peu pessimiste en disant que c'est difficile de ressortir d'une carrière, tout ça, ça n'a pas été le cas pour moi. Mais je connais plein de gens, plein de copains qui ont des grands problèmes par rapport à ce mécanisme en fait, de cette starification de redescendre. Et puis, ce n'est pas des gens qui se prennent trop au sérieux, mais on est tous un petit peu... L'âme humaine est comme ça. Si on vous monte, très, très haut, ben vous avez la peine un petit peu à descendre. Et surtout, si vous avez l'entourage qui ne vous aide pas justement à rester comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas mal de copains qui restent un petit peu en dette de cet éclairage qu'on a pendant la carrière. Et c'est vrai que plus vous montez, plus vous jouez à l'étranger, plus vous êtes dans cette starification, peut-être plus difficile c'est à descendre. Et de nouveau, je peux vous assurer que certains joueurs en fait, mettent 6 mois pour digérer en fait, une carrière et puis à revenir, je dirais, à la normale. Certains mettent une année et puis certains mettent toute une vie. Puis ils seront toujours à la recherche en fait, de cette notoriété, toujours à la recherche de cet éclairage. Et c'est vrai que c'est une constatation, c'est de nouveau pas une plainte. Je dis mais c'est vrai que c'est pas forcément évident et j'ai des copains qui tout à coup quand je les rencontre, ils parlent tout de suite en fait de faute et que de faute, on sent une certaine aigreur, on sent pas la joie. Mais puis alors d'autres en fait, on discute de faute et puis c'est extraordinaire parce qu'on partage des souvenirs qui sont vraiment exceptionnels. Alors voilà, donc c'est tout à fait passionnant une carrière de sportif professionnel footballeur pour moi, mais c'est un petit peu grisant et c'est vrai que c'est pas évident. C'est aussi, j'imagine, en fait, on le voit bien dans les cas qu'on voit des fois à la radio, à la télé, comme ça, que tout ce qui touche à la lumière, en fait, on peut se griller les ailes, et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, et c'est vrai que c'est comme ça, c'est un état de fait. Voilà. Je vais parler un tout petit peu aussi, alors, très rapidement, d'économie, parce que je suis pas très, très fort en économie, mais simplement pour dire, de nouveau, en fait, insister sur le fait. Quand vous avez fini une carrière, c'est clair que c'est mieux d'avoir de l'argent de côté. C'est mieux d'avoir pour pouvoir simplement se relancer, faire autre chose. Mais le plus important, c'est vraiment de digérer ça. Parce que je donnerai deux exemples. Mon exemple, hein, je dis, j'ai gagné un petit peu d'argent. Je n'ai pas joué à l'étranger, mais je suis très heureux avec ce que je trouve. Je suis un privilégié d'avoir gagné ce que j'ai gagné. J'ai pu connaître un tout petit peu. Et puis je suis très content. Par contre, j'ai un ami... Hein, qui a gagné beaucoup plus que moi,
mais qui lui est tout à fait malheureux parce que justement il ne sait rien faire d'autre. Et quand je suis avec lui, je lui essaie de t'intéresser, il n'arrive pas, il n'arrive vraiment pas à décrocher. De nouveau, il ne faut pas le plaindre, hein, je dis, mais c'est comme ça. Je veux dire, et je trouve malheureux, en fait. Lui, il a beaucoup d'argent. Hein. Alors économiquement, il en a beaucoup, mais par contre, il n'a pas d'intérêt pour rien du tout. Et je trouve que c'est tellement plus intéressant. Et la vie est assez longue quand même après une carrière de sportif. On a 32 ans, on a quand même un petit moment à vivre comme ça. Donc je me dis, c'est tellement intéressant de vivre après aussi. Donc pour moi, en fait, l'argent n'est pas vraiment... En tout cas, pas un bon maître, quoi, je veux dire. C'est vrai que l'adage qui dit qu'il faut mettre en santé et puis avoir beaucoup d'argent que pauvre et malade, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment aussi simpliste que ça. Alors voilà, c'était un petit message que je voulais vous donner par rapport en fait, à la reconversion, ou en fait un petit peu les paramètres qu'on peut retrouver dans le monde sportif et qui est inhérent un petit peu près à tous les sports, quoi. Je vais finir quand même sur une note mais positive. Hein. Moi, j'aime la vie. Et puis, je trouve qu'on est quand même des grands privilégiés ici, chez nous. En fait, on a un pays extraordinaire. Hein. Quand je dis pays, ce n'est pas seulement le Valais. Je trouve que, pour visiter un tout petit peu, en fait, deux, trois autres cantons, je trouve qu'on a un pays extraordinaire. Et puis, on a une chance incroyable de pouvoir... vivre ici et voilà, et de partager, comme ce soir ici avec vous, hein, des petits instants de bonheur. Alors maintenant, je ne vais pas faire plus long parce qu'il y a un apéro après, puis je crois qu'on va peut-être répondre à deux, trois questions. Donc alors voilà, alors puis on pourra poursuivre aussi à l'apéro après. Donc merci de l'attention et puis à tout à l'heure. Merci. Alors, je remercie Christophe Bonvin de nous avoir fait découvrir un peu le revers de la médaille. C'est vrai qu'on connaît souvent le côté paillettes et gloire quand on a un regard extérieur. Il nous a donné l'exemple d'une reconversion réussie qu'il était très intéressant de découvrir. Je tiens encore à vous remercier de votre présence ce soir. Avant de passer aux choses sérieuses, je vais encore laisser la parole au président de la commission de promotion économique, M. Christian Rau. Merci. Chers orateurs, mesdames, messieurs, au nom du Conseil communal de Saxon ainsi que de la promotion économique, je tiens à vous dire mes sincères remerciements pour cette soirée. Ce soir, nous avons eu la chance d'avoir des orateurs de qualité qui nous ont fait vraiment bénéficier de leur richesse, de leur expérience et nous ne pouvons que leur dire un grand merci. D'ores et déjà, je peux vous dire que le prochain forum économique de Saxon aura lieu l'année prochaine, le vendredi 19 novembre, et nous aurons comme thème la compétitivité. Alors, mesdames et messieurs, avant de rentrer chez vous, nous avons l'honneur de pouvoir vous accueillir pour un apéritif dînatoire qui aura lieu au premier étage à la salle Garibaldi. Merci, bonne soirée et bonne rentrée.